Salut, salut. Ouh là, on voit rien. Voilà. On se retrouve encore et toujours sur notre Far Cry. Et là, on va aller. On va libérer tout ça et on va commencer par la base là. Hop. Du coup, on va rejoindre la route. C'est pas tout proche. Voilà. Ah, lui, on Par peut le ici. soudoyer. Comment ça va? C'est là qu'on garde nos ressources. Ils remarqueront leur disparition que bien trop tard. Merci. Cool ça. Allez, monte, Ticharon. Allez. Il est où ce truc? Ah bah je le vois pas. Et la base par rapport à nous. Ouais, bon, on va continuer. C'est quoi ce chemin bizarre là? Ok. Hey Clara, des soldats ont pris le contrôle d'une espèce de parc d'attractions préhistorique. C'est le Valle Prehistorico. Bienvenue dans le trou du cul d'Yara, Danny. Aux dernières nouvelles, l'armée en a fait un garage à hélicoptère. Fonce, et va leur voler de quoi se battre dans les airs. Ok. On va pas prendre ça. Je vais essayer l'arc à poulie en vrai. Et voilà. Aucun médecin tout ça. Ennemi d'ancien. Nous là, ça c'était pas prévu. Putain.
Voilà. Oh putain, il y en a un deuxième. Bon, j'aurais peut-être pas dû faire ça en vrai. J'en avais une ici qui était pas mal. Sans celui-là. Putain, il y en a encore. Voilà. Fais gaffe, des troupes ennemies arrivent par le sud, Dali. Oui, je me doute. Ouais, moi j'aimerais savoir qui me tire dessus surtout. Bon allez. Ils sont où? Qu'est-ce qu'il fout, lui? Putain. Ah putain, mais c'était lui en fait. Voilà. Hola, guerrilla. Salut. J'ai des infos. Des infos pour moi? Hola, Dali. On prépare une embuscade histoire de montrer aux soldats de Castillo qu'il faut pas faire chier, Esté. Aide-nous. Merci beaucoup.
bien d'espérer ça. Bah oui, quand même. Alors. On va virer la MG. Oh. C'est un nouveau, lui. Non, c'est ça qu'il faut. Celui-là. C'est une vraie lunette de sniper. Ça, on s'en fout. On va acheter celui-là, en fait. Hein. Alors... En apparence, on lui met quoi? J'aime bien le bleu en fait, ouais. Et là, celui-là. Est-ce qu'il est meilleur que lui? Ouais. Bon, ben on va garder lui alors. Bon ben voilà, il me reste l'uranium à aller chercher et l'uranium mais ici. Putain, c'est un grand parc en vrai. Hein. Wouhou. Mm-hmm.
Bah vous avez eu bien raison, les gars. Bon, les gars, c'est pas tout, mais nous, maintenant, on doit aller là-bas. Ensuite, on aura... On va terminer pour cette région, en fait. Ouais, c'est ça. Presque. Voilà, il n'y a pas moyen de... Danny, t'es où? Je me rapproche, je crois. Comme tu le sais, c'est Yelena le Big Boss. Moi, je suis la capitaine d'équipe. Et tu reconnaîtras Gilberto tout de suite. Pourquoi? C'est qui, Gilberto? Juste l'espion le plus incroyable de Yara. Impossible de lâcher un simple P à LST sans que son réseau ne lui rapporte. Des espions et des hackers. Ça déconne pas chez la morale. Et comment? Si tu ne connais pas encore Concepcion, il y a un couvre-feu en vigueur. Les soldats envahissent les rues à la nuit tombée. Merci pour l'info. Cogno, j'ai un hélicoptère qui me colle au cul. Appelle-moi quand il sera. Oui, madame. Avant, on va faire un truc ici. Non, je les vois pas les autres, c'est ça qui m'embête. Bon bah on va envoyer le... Allez, Chicharron, attaque. Notre petit amigo. Putain, faut pas qu'il sonne l'alarme. Voilà. Et voilà. Ok, cool. Content que tu sois là. Dis-moi ce que tu sais. La Révolution n'a peut-être pas beaucoup d'amis par ici, mais elle en a assez. Une torréfactrice de noix de coco du coin nous soutient depuis le début. Mais ça fait un moment qu'on n'a pas eu de ses nouvelles. Si tu passes par chez elle, essaie de la trouver. Merci beaucoup. Cool. Allez. Bon, en réalité, il nous reste un truc à faire maintenant. Ça va être ça.
Mais le pont, il est en bas ou il est à flanc de montagne? Ah non, on va pouvoir utiliser le réseau. Alors, il est où? Ah, il est en dessous. Bon, tout ça pour ça au final. Putain, il est où ce coffre alors? Je peux pas aller plus haut. Ah si. Ah là. Je me disais qu'il y avait un truc comme ça aussi. Toute l'électricité de la région vient de la centrale électrique voisine. Alors bien sûr, les militaires s'en sont emparés. Tant qu'ils seront là-bas, ça craindra pour nous. Fais attention si tu vas par là. Eh, hey, merci. Elle est où? Allez. Bon. Ouais, nous on va aller faire ça quand même. Putain, mais j'ai du mal là. Ah voilà. Ça y est, c'est bon. Putain, je m'attendais pas à ce qu'il soit là.
C'est bon, il y en a plus là. Non, c'est bon. Largage effectué. Dans ces conditions, il devrait arriver près du phare de San Telmo. Confirmé. Confirmation. On est en route. Je parie que ces soldats n'ont pas autant besoin de ce matos que moi. Bah oui. Bah attends, c'est où qu'il faut aller ? Ah, tout là-bas. Ok, bon, bah on va reprendre ce chemin-là, reprendre comme ça, et puis... Et puis voilà. Bien, on passe comme ça. Ah, voilà. C'est pour moi. J'ai intérêt à faire gaffe. Bon bah voilà. Marre de ces conneries. C'est un mec que j'ai tué qui a volé jusque là. C'est bien mieux. Allez. C'est une jolie prise. J'espère que Clara sera contente. Il y a un truc à prendre là-haut. On n'est pas des fous quand même. Ah oh, mais de là-haut je voyais deux boîtes. Là j'en vois plus qu'une. Ok, il est où maintenant?
Ah, il est tout en bas en fait. Sous le fort. Ouais, bon bah tant pis hein. On va aller faire la course et puis c'est tout. Elle est là. Alors, le frein à main. C'est bon à savoir. Bon, tu te pousses. Comment on y accède à ça là? Ah, par là. Et voilà, bon, on va dire que c'est bon. Tu sais, dans les films de science-fiction, il y a toujours des voitures volantes. Allez. Putain, j'aime pas ces trucs. Ah, c'est ça. Putain. Ok, c'est chaud en vrai. Ouais, c'est ça ce que je craignais. Oula.
J'ai bien rattrapé mon retard en tout cas. Pas forcément, mais je suis un peu tendu là. Tranquille. Oui, voilà. C'est cool ce truc là. C'est ça le but, Danny. Rappelle-moi si tu veux la revivre. Bon, allez, on va aller là maintenant. On va y aller en voiture volante. Ah ouais, il me faut un point de collecte avant. Sinon, tant pis, hein. Bon, allez. Putain, c'est stylé en vrai. Et attention. J'en ai marre de convaincre les fermiers du coin d'aider Libertad. Les guerriers roses ne font rien pour nous. Si mes fermiers sont heureux, moi aussi. Et on aidera encore Libertad. Ok, je les aide comment? Il faut que je me rende... Bon. En vrai, on va y aller à pied plutôt.
Oui, voilà la première. Ah, c'est bien, écoute. J'ai un pacemaker. Tout ce qui est électrique est dangereux pour moi. Est-ce que tu veux bien débrancher ces fils ? Ouais, je vais t'aider. Tu m'aides avec ça, et j'aiderai Libertad. Ouais, mais je le débranche comment ? Mais je fais comment pour l'arrêter, la machine ? Bah voilà, et maintenant ? Si je fais ça. Barre. Je comprends. Bah ça fait quoi ça? Ah oui, mais c'est con, mais... Je fais quoi? Je tire dessus? Je balance une grenade? Lance une grenade là-dessus, peut-être. Oh bah faut croire que non. Il n'y a pas grand chose ici qui se passe. Hein. Bon, je vais aller voir la solution internet, ça se fait pas, mais bon. Une histoire de Yara. Voilà.
Ah, j'ai compris. Normalement, je peux sauter là maintenant. Voilà. Beau travail, Libertad. Merci. Merci. Ça me touche vraiment beaucoup. Señora Torca, j'ai aidé Madame Rivera avec son système électrique. Et elle est contente avec ? On dirait bien. Elle vous a demandé d'autres choses ? Non. Elle n'a fait que me remercier. Ça lui ressemble bien. Alors, on va aller voir laquelle maintenant. Bon, la plus proche. Hein. Pourquoi je peux pas aller tout droit là? Il y a un barrage. Ah non. Alors, allez là. Déjà, on se sert. Un peu la taille de ses dents. Señora Toca, j'ai aidé les habitants de la ferme à Ressé. Ça va mieux depuis qu'ils savent que leur coq va changer de propriétaire. Alors c'était ça leur problème? Pour certains, le moindre petit truc et c'est la fin du monde. Eh ben, c'est comme ça. Bah, tout ça pour ça. Une nouvelle info pour toi. Quoi de neuf? Camarade, il paraît que les... Oh. Putain. Range ton arme. Putain, mais qu'est-ce qu'il lui a pris? Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je devrais appeler la Señora Toca. Señora Toca, j'ai une mauvaise nouvelle. Les soldats ont exécuté tout le monde à la ferme Inorosa. Un couple âgé et deux guerrilleros. Sûrement leur fils. Merde. Les garçons se vantaient constamment d'appartenir à la guérilla. Trop parler, ça a coûté la vie à toute leur famille. Je dois faire quoi? Rien. Je vais envoyer quelqu'un. C'est pas la première famille que les soldats exécutent. Tu peux me croire? Je me doute. Bon, allez. Ah, il y a plein de trucs à prendre ici. Et la dernière.
Il y a encore des soldats ici. Je te tiens, saloperie. Pitié, laissez-moi. Je vois que cette ferme est infestée d'ordures. Pourquoi t'aides les terroristes? Réponds-moi. J'ai jamais été libertal. Voilà. Hé, hey, toi. Je savais que quelqu'un viendrait. Je t'en voudrais ça. J'ai besoin d'un verre. Samida, incroyable. Ah. Ok, bon bah c'est tout. Yana, ce fils de pute a trouvé l'hôpital de campagne de Libertad. Il est planqué dans ma maison. Il l'a signalé? Non, je crois pas. Tu as besoin d'autre chose? Moi? Non. J'ai des médicaments si t'as besoin. Tu m'as sauvé. Et comme je dis à Petra, je vous aiderai tant que les guerrieros tueront des soldats. J'ai plus qu'à me débarrasser de son corps maintenant. Señora Toca. Et voilà. Et éliminer un soldat un peu trop curieux qui l'embêtait. Est-ce qu'ils ont trouvé l'hôpital de campagne? Non. Oh, tant mieux. Si ça devait arriver un jour, on serait tous bons pour le peloton d'exécution. J'essaierai de les abattre en premier. Ouais, ouais. C'est ce qu'ils disent tous. Bon, puisque t'as fini d'aider mes amis, viens me voir. J'ai besoin d'un coup de main, l'affaire de 10 minutes. Bien sûr, Señora Toca. Bien sûr, Señora Toca. Enfin, tout ça pour ça, quoi. Bon. On va retourner la voir. Je voudrais jeter un coup d'œil. Est-ce que tu peux me dire? Le meilleur moyen de se ravitailler, c'est de voler ses ressources à l'ennemi. Un largage arrive, alors récupère-le en premier. Muchas gracias. Ok, il est en dehors de ma juridiction pour le moment. On va retourner voir la fermière. Ah, elle est en train de faire un autre truc. Ma fille et son crétin de chéri ont été arrêtés. Un de mes fermiers était avec eux. Il dit qu'un nouveau sergent vient ici pour me poser des questions. Dès qu'un nouveau crétin est affecté ici, il essaie d'être encore plus violent que le précédent. Cache-toi dans mon faux plafond et va te cacher dans le faux plafond. Ok. Attends, je vais vider d'abord. Allez, cache-toi dans le faux plafond.
Alors, j'ai rien d'autre à prendre. Je t'ai dit de te cacher. Allez. Ah, là-haut. Oui, madame. Je t'ai dit de te cacher. Allez. Oh merde. Restez dehors. Personne ne doit nous interrompre. Fouillez la chambre. Hola. Je suis le sergent Savon. On m'a chargé de nettoyer cette ville. Comme ton prédécesseur, je vous souhaite bien du courage. Grâce à mes différentes informations, dont une source des plus fiables, on m'a dit que vous connaissiez bien Libertad. La seule chose que je sais sur les guerriers roses, c'est qu'ils me causent plus d'ennuis que vous, mes soldats. Ça, j'en ai aucun doute. Chaque fois qu'ils entrent sur mes terres, j'en informe l'armée. Arrêtez vos conneries. Je sais que votre fille collabore avec les guerriers roses. Je viens de l'arrêter avec son petit copain de chez Libertad. Quoi ? Gloria ? Impossible. Où est-elle ? Elle est encore ici, à Fernando. Elle a trahi Yara. Tout comme vous. C'est dans cette commune ? Mais où ? J'ai pas le temps de jouer les traîtresses. J'aimerais savoir si vous avez vu de nouveaux guerrieros passer par ici récemment. Le prénom Dani, ça vous dit quelque chose ? Non, ça me dit rien. Où sont oui, c'est moi. Guerrieros ? Des caches ? Aucune idée. Je veux voir ma fille. Où est-elle ? En sécurité. Pour l'instant. Ok, très bien. Combien vous voulez ? Je suis incorruptible. Dites-moi où est l'hôpital de campagne des guerrieros. J'en sais rien. Où est Gloria ? Je vous verrai après l'avoir vue. Señora Toca. Gloria est dans une ferme près d'ici. Elle doit la quitter aujourd'hui. Dites la vérité et elle n'en partira pas les pieds devant. C'est une ferme. Vous êtes tous pareils, les paysans. Vous me mentez sans arrêt. Non, je mens pas. J'ai parlé à l'un d'eux aujourd'hui. Il n'était pas très coopératif. Alors on a joué à la roulette russe. Oh, Dios mio, je ne suis pas une traîtresse. La dernière chose qu'il m'a dit, c'est... Toca travaille avec Libertad. Alors je l'ai buté. C'est complètement faux. Il aura tenu qu'une manche. Bref, on réessaie. Que savez-vous au sujet de Libertad ? Il a menti. Qui était ? Non, je suis au courant de rien. Non. Je lui ai confisqué sa ferme au nom d'Yara. Señor Juan Torena préfère Libertad à sa patrie. Juan Torena. Soyez plus intelligente que lui. Dites-moi ce que vous savez au sujet de Libertad. Il mentait. Ce type a une banane. Il est où le dernier ? Et voilà. Mierda. Bon, on va aller la sauver du coup. Là-bas. Je suis la mort. Bon, honnêtement, je pensais pas qu'il allait exploser comme ça, ce truc-là. Oui. Par ici ! Au secours !
Au secours! Détache-moi! Oui, j'ai compris. Rentre chez toi. Ta mère s'inquiète pour toi. Oui, c'est promis. Bon, ben voilà. Allô ? Je voulais te remercier d'avoir sauvé ma fille. Pas besoin, Señora Toca. Désormais, mes fermiers et moi viendrons en aide à Libertad. Je te le promets. Gracias. Et nous avons un cadeau pour toi. Passe à la ferme quand tu le pourras. Ok, j'arrive. C'est ici qu'il faut aller, non ? Bon, bah on va aller à la ferme alors. Salut! Bah, elle est là. Gloria sans raccord. Je la tue. Señora Toca. J'ai eu des nouvelles de Gloria. Merci pour tout. Mes fermiers et moi, on soutiendra les guerrieros dans leur combat. On apprécie ce que vous et les autres fermiers faites pour nous. On dirait oui, finalement. Pourvu que ça dure. Et mon cadeau alors? Bon. C'est pas tout, mais maintenant, on va aller faire ça. Il y a rien de tout près, quoi. Bon. Je crois. Comme tu le sais, c'est Yelena le big boss. Moi, je suis la capitaine d'équipe. Et tu reconnaîtras Gilberto tout de suite. Pourquoi ? C'est qui, Gilberto ? Juste l'espion le plus incroyable de Yara. Impossible de lâcher un simple P à LST sans que son réseau ne lui rapporte. Des espions et des hackers. Ça déconne pas chez la morale. Et comment ? Si tu ne connais... Merci pour l'info. Cogno, j'ai un hélicoptère qui me colle au cul. Appelle-moi quand il sera. Qui que vous soyez, vous entrez illégalement dans cet espace aérien. Faites demi-tour, nous ouvrirons le feu. Ok. Quoi ? Ron, je suis à Concepción. Où se trouve la morale ? Je t'envoie une photo. Garde-la pour toi. À quoi ça va me servir ? Ça t'aidera à trouver la porte. N'oublie pas le mot de passe. Ni le couvre-feu. Encore ces idiots de Libertad. Mmh.
bah là-dedans, en fait. Qui veut noyer son chien, l'accuse de la rage. Bienvenue à El Agujero. Tiens-toi, Caro, ou je t'arrache la tête pour jouer au foot avec. Sympa, l'accueil. Je m'appelle Danny. Alfredo. En bas de l'escalier. Chicharron, viens par ici. Ah, ok, je pensais que c'était le fils que j'avais trouvé. J'ai besoin de 6 volontaires. Je demande à mon groupe, mon chou. Les gangs de Jorge et Anna doivent être à bord. C'est toi, Yelena ? Merde. Danny, c'est ça ? Où sont mes médocs ? Les médocs de Libertad ? Je les ai donnés aux légendes. Non, tu les as refilés à des vieux qui font dans leur couche tout en haut d'une montagne. Ça va t'apporter quoi, d'après toi ? Il faudra plus que des balles et des soldats pour tuer Castillo. Que ça te plaise ou non, les Yaran aiment les légendes. Clara Garcia aime la politique. Bon courage pour bouger le cul des ancêtres. La morale peut nous aider. Tu sais pourquoi Clara ne t'a pas parlé de nous ? Parce que pour elle, on n'est qu'une bande de gamins avec des flingues. Elle adore discuter d'un bel avenir, mais c'est son avenir, pas le nôtre. Clara, c'est juste un Castillo sans une bite. Donc t'as un meilleur plan pour Yara ? D'abord on tire, après on discute. Tu dis que t'as besoin de volontaires ? L'amiral Benitez nous a attaqués il y a quelques heures. Elle tient mes camarades en otage sur un cargo. Alors j'y vais. En solo ? Je piche pas. Comme ça, on sera quitte pour les médocs. Sauf mes amis et on en reparle. Mm-hmm. Si tu veux aller sur le bateau, je connais un type à la ferme Carbonel. Il peut t'y emmener avec son hélico. Dis-lui que c'est la morale qui t'envoie. Monte à l'étage, on te dira comment t'y rendre. Mais fais vite, on n'a pas beaucoup de temps. Ah, c'est moi qui fais tout et vous, vous avez jamais de temps encore. Chicharron, viens par là. Liberto a dit que Libertad se chargeait du sauvetage. Vraiment ? Libertad ? Merde alors. C'est toi qui aides nos camarades ? Voilà, c'est ça. Je connais un fermier avec un hélicoptère qui peut t'emmener au bateau. Suis-moi. Prends le vieux girasol. Toi, ça va avec lui. Toi et ton coq, bougez de là. Doucement. Doucement. T'es avec Libertad ? C'est le cas. Je crois que ce serait pas mal qu'on bosse ensemble. Ah ouais ? On se bat et on gagne souvent. Mais l'amiral Benitez aura toujours un coup d'avance sur nous. Si on tue un soldat, dès le lendemain, ils en ramènent 3. Et quand les membres de la morale meurent, personne ne les remplace ? Non, personne. En plus, les fermiers et les gens d'ici veulent juste survivre, pas se battre. On a besoin de 109, de combattants. Et les légendes, ils peuvent pas nous rejoindre ? On a essayé. Mais aucun de ces vieux veut se battre. Il paraît même que beaucoup soutiennent Castillo. T'as mal compris. Peut-être, mais je vois aucun de ces vieillards se battre. Je m'occupe de ça. Et comment ces paysans ont pu avoir un hélicoptère ? On construit avec les pièces de ceux qu'on a descendus. Carrément. Les fermiers sont tous de notre côté, je te le garantis. Et les autres paysans, non ? Ça dépend. Certains sont avec Castillo. Tu penses qu'on peut les rallier à notre cause ? Va. Hé, qu'est-ce qui se passe ? Salope de Ramirez. Salut. T'empresse. Oui, je sais, je sais. Mes amores, ici Rosamel Paquete, votre concentré d'amour. En parlant d'amour, j'aime. Cette belle liberté. À la poubelle. C'est ce que Clara et Libertad vous.
Presque. Bon, allez. C'est Jean ? Yelena vient d'appeler. Je t'emmène au bateau ? C'est pas de refus. Allez, grimpe. Tic-tac, Libertad. T'empresse. Allez, monte, on va faire un tour. Bon, on y va. Je m'appelle Calixto. Danny, je vais faire attention et voler très bas. Je t'emmène aussi près que possible. Où t'as appris à piloter ? J'ai fait mon service comme pilote il y a 2 ans. Je me suis fait renvoyer pour avoir traité un capitaine d'enfoiré. Moi, je me suis fait virer de l'armée de terre parce que j'ai frappé mon sergent instructeur. Voyez-vous ça ? On s'est jamais croisé. T'as rejoint la morale quand ? Attends, on m'a dit que t'étais de la morale. Je leur rends service. Je suis de Libertad. Parle-moi un peu de la morale. Ouais, elle répond pas beaucoup. On l'appelle Maldito. C'est son vrai nom ? Ouais, un Espagnol l'a baptisé comme ça en 1400 et quelques. Il y a quelques mois de ça, l'amiral Benitez a rendu la navigation et la pêche illégales. Les gens ont protesté. Benitez a exécuté la moitié des habitants. Tu sais ce que la morale a fait ? Elle a traqué et assassiné chaque soldat ayant pris part à l'exécution. Et je parle pas d'embuscade dans la jungle façon guerrieros. Non ? Ils les ont suivis jusque chez eux et égorgés pendant leur sommeil. Ah ouais, quand même. Ils sont intelligents, coordonnés et sans pitié. Je veux bien te croire. Bon, sur le doigt là-bas, on est pas très discret. Hein. Voilà la passe de Chaube. On surveille les convois militaires qui passent par là et on en informe la morale. Ils ont l'air plutôt bien organisés. T'as même pas idée. Yelena est encore plus méthodique que les militaires. La morale est là pour nous. Quand les soldats de l'amiral Benitez ont commencé à malmener nos familles, la morale a riposté. Ils tuaient tous les soldats qui entraient sur nos terres. Ça les a vite dissuadés. Celui-là, là ? Voilà le bateau. Je peux pas t'emmener plus près. C'est super. Merci, amigo. Bonne chance pour ton sauvetage. Bon bah on est arrivé comme des... comme de vrais espions. Le cœur de leur système de sécurité. Un jour, j'arriverai à quitter cet endroit. Je serai à la tête de ma propre sécurité. Ça fermerait à cette place. Ce sera plus très long. Une de ces saloperies finira bien par craquer et on pourra enfin... Ouais, bon allez. Putain, lui, je peux pas. Ah, mais je peux réessayer la technique du... de ça, là.
peuple. Hop là. Qu'est-ce qu'il fout là-bas, lui? Putain, il veut pas venir un peu plus par là, lui. Je vois pas trop où sont les autres, là. Bon, oula. Easy. Attends, mais il y en a pas un par là? Ah si, il est juste là en fait. Allez, à vous maintenant. Je les ai semés. Ah ouais, ils sont plus nombreux que prévu en fait. Putain. C'était moi. On pourrait... Ça, on va changer. On va reprendre l'arc.
Bon, allez, on va descendre. On va courir là-bas, voir s'il y a personne. Non, c'est bon. Oui, j'ai compris. Voilà. Ok, je fais comment moi? Je descends, je monte. Y a pas un bouton ici pour la grande tour? Et là-haut. Ouais, moi je veux juste savoir où est le bouton pour faire ton dessin de ça en fait. Bon. Ah, par là. Mais non, mais non. Bonjour à vous. Yelena, je suis à bord. J'en ai libéré autant que possible. Tiens bon, je t'envoie des bateaux et du renfort. Gracias. Ici l'amiral Benitez. Aux terroristes qui font la honte de Yara, vous êtes pris au piège. Au moment même où je vous parle, mes troupes convergent à votre position. Je vous conseille de lâcher vos armes et de contempler une dernière fois cette nation qui ne veut pas vous. Au lieu de servir paisiblement Yara en tant que paria, vous allez mourir ici et maintenant. C'est ça, oui.
Bon alors, il meurt. Ils sont résistants. Hein. C'est fini pour toi. J'espère qu'ils sont encore vivants, tous les autres. Où sont les bateaux, Yelena ? Ils attendent que tu dégages l'espace aérien. Quelqu'un peut dire à ces avions d'arrêter de bouger ? Les renforts sont en chemin. Merde, j'aurais dû appeler plus tôt. Les bateaux sont là d'une minute à l'autre. Continue comme ça, Libertad. Ok. Ouh, c'est joli ça. Ah merde. Putain, il tire sur qui là ? Je fais de la pluie aérienne. Yelena, c'est bon. Ils sont sains, ils sont. On m'a dit. Alors, on les quitte ? Putain, oui. T'as besoin d'autre chose ? Danny, reviens à El Agorero. Ça chauffe ici. On doit rassembler les camarades et parler des étapes suivantes. Ok. C'est des trucs pas nets ici. Tu l'as dit, mon ami. Bon, allez, on peut aller faire ça.
Clara, je viens de rencontrer la morale. On aurait dû s'en rapprocher plus tôt. La morale ? À ce qu'on dit, ce n'est qu'un petit groupe qui passe son temps à s'entre-déchirer. Ils sont plus actifs dans la lutte que les légendes. Ok, mais reste sur tes gardes. La morale a mauvaise réputation. Je ne veux pas que le nom de Libertad soit sali à cause d'eux. Je vais ouvrir l'œil. Bon, je crois que cette pompe a besoin de vous. Bonne nuit. Du courant pour cette pompe. Il est où le dernier là? Il est au-dessus? Il doit y avoir un moyen d'éteindre ce feu. Adieu. Ok. Bonne chance, Inès. J'espère que t'auras tenu le coup. Ok, alors faut faire quoi? Je devrais éteindre ce machin avant de passer à la suite. Ok, ils sont où? Ils sont là. Ok, maintenant. Oh. Ça, je peux les rebrancher ailleurs. Il est passé tout pile. C'est ça qu'il faut que j'alimente en fait. Je peux continuer à... Enfin, je peux refaire un truc ici. Non, peut-être avec ça. Non. Enfin, il me refaudrait des câbles, en fait.
Voilà. Voilà. Bon. On va essayer de le faire. Far Cry 6, cadeau de départ. Il faut aller dans l'abri. Ah, j'ai compris. Bon. On va le pousser à la main. Voilà. Ok, maintenant qu'on est dedans. Il y a des trucs à savoir. Hein. Voilà.
Et nous y voilà. Oh, ok, c'est terminé. Plus qu'à me débarrasser de l'odeur de ma vie. Je peux toujours pas y aller comme ça, quoi. Bon, bah, on va y aller en hélico alors. Oui. Ok, ça c'est quoi là? Maudit caché. Évidemment, ça me donne envie de le chercher. C'est qui lui? Bon chien. Qu'est-ce que tu veux me montrer, toi? Bon chien, bon chien. C'est qui le gentil chien-chien? Ah merde! Il y en a un autre là. Je veux bien, mais il faut que je retourne voir le truc du docteur. Ouais, il était là-haut. D'émeraude. Oh, désolé, hein, je vais faire la solide, j'ai envie d'aller me coucher, moi.
Ouais, bon, on verra plus tard. Bon, allez, moi je vais m'arrêter ici. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. À plus.